l'art du compromis. Chaque point de vue peut être étudié. À plusieurs reprises, nous avons effectué des compromis et nous sommes certains que nous pourrons y arriver encore une fois. Des débats passionnés sont passés en revue. De l'esclavage aux guerres civiles, nous avons tenté de vivre selon les paroles de Jefferson. Chaque homme ne peut toujours avoir raison en tout temps. Sans ces dispositions mutuelles, nous sommes des individus qui sommes divisés, mais non pas au sein d'une société. L'histoire est remplie de personnes qui ne veulent pas s'exprimer, mais nous ne nous souviendrons pas d'eux. Nous nous souviendrons de ceux qui ont placé le pays avant eux-mêmes. On se souvient des Américains, pendant les heures les plus difficiles, qui ont mis de côté la ligne du parti et leur fierté pour former une union plus parfaite. Ce sont eux dont nous nous souvenons. Le monde entier nous surveille. Saisissons donc ce moment afin de prouver au monde que les États-Unis, que l'Amérique est encore et toujours le plus grand pays du monde, parce que nous pouvons nous unir en une seule nation. Merci et que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Dans un pays